chantons ensemble. Un moment avec toi pour te louer. Un moment avec toi pour t'écouter. Un moment avec toi pour t'adorer. Nous sommes là pour toi.
ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Chaque jour, tu restes fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. J'aime ta voix, dans l'épreuve tu m'as épaulé, dans les nuits sombres, toujours à tes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Ce matin, chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté. Rechantons ensemble, j'aime ta voix. J'aime ta voix. Dans l'épreuve tu m'as épaulé, dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Ce matin sur ta vie, déclare-le haut et fort. Oui, toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu.
chantons ensemble encore. Et chaque jour tu restes fidèle. Oh, déclarons-le ce matin. Au-dessus de nos circonstances, au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos peurs, de nos craintes, déclarons avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Oui, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Oui, levons nos voix, Seigneur. Tu es bon, tu es fidèle, tu es bon pour chacun de nous. Et ce matin, tu as renouvelé encore ta bonté, Seigneur, alors que le soleil se levait. Tu as renouvelé ta bonté sur ton église. Tu as renouvelé ta bonté sur ton peuple. Tu as renouvelé ta bonté sur ma vie. Est-ce que tu peux dire ce matin avec moi, oui, Seigneur, tu as renouvelé ta bonté en moi. Tu as renouvelé ta bonté sur moi. Ce matin, je vis, Seigneur, pour toi. Encore une fois, je veux te déclarer ce matin, Seigneur, que tu es ma vie, que tu es mon sauveur, que tu es mon Seigneur, que tu es mon Dieu. Ô Seigneur, sois loué ce matin, de nos bouches, mais surtout de nos cœurs. Tu es vainqueur. Élever ton nom, élever ton nom.
Ce matin, que le clavier simplement continue, je veux proclamer ce matin sur nos vies les versets dans Ésaïe 6, 43 qui dit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Écoute bien ce matin, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles, à lui soit le règne, à lui soit la victoire, à lui soit la gloire. Applaudissons sa parole ce matin, applaudissons sa gloire, lui qui est la vie, lui qui est notre victoire, lui qui est notre Dieu. Mon Dieu est
ensemble, ora mando sino do. Jésus, glorifie.
ovation, il est tellement digne. Viens Jésus, oh viens bientôt, viens chercher ton église, viens chercher ton peuple, nous t'attendons. Alléluia, nous sommes comme l'apôtre Paul, tiraillés des deux côtés. Nous savons que notre temps ici n'est pas encore terminé, en même temps nous voudrions tellement être près de toi. Viens oh Jésus. Nous allons le chanter encore une fois, mais juste avant cela, il y a un cher ami qui nous suit devant son écran. Vous avez été serviteur de Dieu et vous avez fait un infarctus. Et suite à cet infarctus, votre ministère a été comme suspendu dans le temps. Votre cœur a été sérieusement touché. Une partie de votre cœur, à cause de cet infarctus, ne fonctionne plus. Et vous êtes là en train de suivre, vous pleurez au moment où vous regardez ce culte, avec le sentiment de n'être plus dans la course. Et le Seigneur vous dit, mon serviteur, mon fils, je vais te relever et tu vas reprendre du service. Et chaque jour où tu serviras, tu te souviendras que ce n'est que par la grâce que tu peux me servir. Tu as dans le passé souvent compté sur tes propres forces et bâti avec tes propres moyens. Aujourd'hui, comme Jacob, tu es diminué. Comme Jacob, eh bien, tu es physiquement diminué. Mais tu vas apprendre à marcher par la grâce. Et tu vas me servir et moi je renouvellerai mes forces en toi. Et tu verras ma gloire. Et tu verras ma gloire. En ayant beaucoup moins de possibilités, de moins de forces pour faire les choses que tu seras amené à faire, auront plus d'impact parce que ce seront celles que moi je veux que tu fasses. Alors ne sois pas dans la tristesse, réjouis-toi. Réjouis-toi. Il y a également encore une jeune femme, vous nous suivez, vous avez du psoriasis, mais un psoriasis très important. Sincèrement, vous souffrez beaucoup. Je vois votre peau et ce que je vois, c'est terrible. Mais le Seigneur vous dit, autant que ta peau aujourd'hui te rebute toi-même quand tu regardes, autant je vais te guérir. Tu auras une peau neuve, totalement libérée de ce psoriasis. Je t'aime, te dit le Seigneur. Je t'aime, te dit le Seigneur. Chantons encore une fois, nous chantons bien au Jésus. Chantons bien. Baptiste, voyant Jésus, dira dans Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Pouvez-vous fermer vos yeux un instant? Imaginez cette scène. Jésus s'approche. Jean-Baptiste le voit et discerne immédiatement lui qui il est. Il n'est pas un simple homme. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, nous allons prendre le pain et le vin, mais ce pain et ce vin ne peuvent qu'être pris par ceux et celles qui discernent en Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce pain et ce vin est réservé à tous ceux et celles
qui ont reconnu en Christ leur Sauveur et leur Seigneur. Mes amis, vous qui êtes devant vos écrans, qui allez prendre ce pain et ce vin avec moi, en attendant que l'Église le prenne bientôt également avec nous dans ce lieu, et c'est dans peu de temps, ne le prenez que dans la mesure où vous discernez en Christ l'agneau de Dieu qui non seulement ôte le péché du monde, mais qui ôte votre péché. En reconnaissant en lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, vous reconnaissez aussi le pécheur que vous êtes, qui a besoin d'être purifié par l'agneau de Dieu. Il est là ce matin. Nous l'avons chanté, nous l'avons glorifié. Il est présent. C'est un moment de paix, un moment d'onction. Mais un moment également pendant lequel, je crois, des malades vont encore être guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Non seulement guéris des conséquences du péché, mais guéris simplement dans les corps malades. Discernez en Christ l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde est la condition sine qua non pour pouvoir prendre ce pain et ce vin. Prions ensemble. Est-ce que l'Église peut élever sa voix, même derrière ton masque? Peux-tu commencer à prier à haute voix en disant simplement merci Seigneur pour ton corps brisé, brisé pour moi. Je reconnais en toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et par conséquence enlève mon péché. Je reconnais en toi l'agneau de Dieu qui m'a sauvé par grâce. Voilà que le berger de mon âme est également devenu l'agneau de Dieu. Voilà que le berger devient l'agneau. Tu es le seul berger qui offre sa vie pour ses brebis. Tous les bergers au monde ont des brebis, mais ces brebis sont là pour les faire vivre eux. Toi, tu es venu pour faire vivre les brebis. Quelle grâce! Quel merveilleux berger! Mon berger se transforme en agneau, un agneau parfait qui, lui, s'offre en sacrifice afin d'enlever mon péché. Cette œuvre est tellement grande, Seigneur, que je ne veux plus pécher. Cette œuvre est tellement grande que je veux marcher dans la sainteté. Commencez à le déclarer au Seigneur. Commencez à lui dire ce matin, Seigneur, cette œuvre est tellement profonde, tellement grande, tellement glorieuse, que ce matin, non seulement je reconnais en toi celui qui enlève le péché du monde, mais je reconnais en toi celui qui donne la force de ne plus marcher dans le péché. Tu es digne d'avoir un peuple qui marche dans la sainteté. Tu es digne d'avoir un peuple qui se détourne du péché pour se tourner vers la sainteté. Tu es digne de cela. Et autant nous reconnaissons que tu es celui qui enlève le péché du monde, nous reconnaissons que tu es celui qui donne la force pour marcher dans la sainteté. Nous le reconnaissons en prenant également ce vin qui symbolise ton sang versé pour nous, ce sang qui nous purifie de tout péché. À ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire. À ton nom seul soit la reconnaissance. Alors que nous allons prendre le prochain chant, que je prends le pain et le vin avec tous ceux qui sont devant les écrans, mais bientôt nous le prendrons ici. Nous n'attendons qu'un élément encore et nous le prendrons. Vous qui êtes là, n'oubliez pas de le prendre quand vous rentrerez chez vous. N'oubliez pas de le prendre quand vous rentrerez chez vous. J'étais l'autre jour invité chez une personne à manger, et avant que nous avons mangé, elle avait préparé la Sainte Cène. Nous l'avons pris tous ensemble. On était une dizaine. Et on l'a pris tous ensemble. Communier au corps et au sang de Christ. Je te bénis, Père. Merci pour ta sainte présence. Je sens la présence du Seigneur ce matin. Il y a pendant ce temps de Sainte Cène, ce temps où l'agneau de Dieu est élevé, également un temps de guérison. Mets la main là où tu souffres. Mets la main là où tu souffres, dans ce lieu, mais également devant ton écran. Il y a une personne qui nous suit avec une insuffisance respiratoire. Vous avez depuis maintenant 6 mois une assistance avec des bouteilles d'oxygène, de petites bouteilles que vous devez toujours avoir avec vous. De temps en temps, vous pouvez les enlever, mais très souvent, vous en avez besoin. Il y a maintenant la présence du Seigneur qui descend sur vous. Dans peu de temps, vous n'aurez plus besoin de cette assistance.
Et ce n'est pas moi qui vous dis d'arrêter l'assistance, c'est les médecins qui vous diront vous n'en avez plus besoin. C'est un homme. Le Seigneur est en train de vous guérir. Père, je te bénis pour la guérison que tu accordes dans ce lieu. Merci infiniment pour ta grâce. Merci pour les malades que tu libères. Et je pense entre autres, Seigneur, aussi aux malades qui ne sont pas là. Je pense à ma sœur Liliane qui est hospitalisée. Je pense à ma sœur Muller qui est hospitalisée. Je pense à tous ceux et celles qui, là, à la maison, chez eux, souffrent dans leur corps. Merci pour ton intervention. À ton nom seul soit l'honneur. Pendant que Mathieu continue à chanter et à louer Dieu. Si la lune me glace, le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la Encore une fois, ta victoire, mon espoir.
tout est entre ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Élevons nos voix également pour les offrandes. Il a tout donné, il sait donner. Puissions-nous prier ensemble en disant, Seigneur, comme tu t'es donné, je veux me donner et je veux donner pour que ton œuvre avance. Et si, chers amis, vous qui nous suivez, vous nous suivez en appartenant à une autre église locale, donnez dans votre église locale. Que tous ceux qui se reconnaissent de la porte ouverte donnent à la porte ouverte est normal. Mais si vous appartenez à une autre église locale, donnez dans votre église locale. Nous voulons que le corps de Christ reste solide dans ces temps difficiles. Nous voulons que les églises restent ouvertes, actives, puissent continuer à annoncer la bonne nouvelle dans tout ce pays. C'est notre désir, c'est notre prière. Pouvons-nous prier ensemble alors que nous emmenons nos offrandes? Pouvez-vous prier là où vous êtes? Élevez votre voix. Seigneur, je te remercie de ce qu'avec ton peuple, je peux dire comme tu t'es donné, je veux donner. Je veux me donner et je veux donner ce dont tu m'as accordé la grâce d'avoir. Merci Seigneur pour la liberté que j'ai. Et merci parce que je peux venir en donnant avec joie, sans contrainte, sans reproche. Je te bénis pour cela, je te loue et je te glorifie. Seigneur, que tout argent donné contribue à l'avancement de ton royaume. Et dans ces temps où les ténèbres avancent, puisse contribuer à faire briller la lumière du royaume de Dieu. Nous voulons continuer à faire briller la lumière. Nous voulons que cette lumière brille et l'annoncer à tous les hommes par tous les moyens, par le net, mais par tous les moyens que tu nous donnes, par l'Église, par les missions, par les missionnaires que nous avons au Sénégal, en Algérie et partout ailleurs dans le monde. Père, nous voulons que la bonne nouvelle de l'Évangile se répande. Merci pour tous les donateurs. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent donner pour des raisons, Seigneur, économiques, parce qu'ils ont ou elles ont perdu leur travail. Soutiens-les. Nous voulons aussi que l'Église soutienne les plus faibles, les plus fragiles, les plus démunis. Nous voulons que l'Église soit là, que nous soyons là les uns pour les autres. Seigneur, nous voulons qu'un jour on puisse dire, et il n'y avait à Mulhouse aucun indigent dans l'Église, aucun, comme dans l'Église de Jérusalem. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Ma sœur, merci. Mon fils, mon enfant, mon fils, je te parle ce matin. Tu es un homme et je t'ai vu pleurer. Je t'ai vu désespérer parce que tu viens de perdre ton travail. Tu as su vivre dans l'abondance. Tu as su vivre aisément. Et maintenant, tu n'as plus rien, plus de travail. Le Seigneur te dit, je suis celui qui peut te restaurer. Je veux que tu lèves les yeux vers moi. Je veux que tu lèves les yeux vers moi. Tu as même dit des choses sur moi par rapport à cela. Le Seigneur t'a pardonné déjà. Il t'a pardonné. Parce qu'il a vu ton état. Et il te dit simplement, va, va dans ta chambre. Remets-toi devant moi. Demande-moi et tu verras si j'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. J'ai un projet. J'ai un projet pour toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais le Seigneur te dit, aie confiance. Dans les temps prochains, cela ne va pas durer longtemps. Mais dans les temps prochains, aie foi en moi. Je te donnerai ce que tu as besoin. Je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel qui pourvoit. Je suis celui qui connaît les moindres recoins de ton cœur. Il y a encore de l'orgueil dans ton cœur. Je veux que tu sois guéri pour cela. Je t'aime, dit le Seigneur, et je veux vraiment le meilleur pour toi. N'aie aucune crainte. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes et c'était déjà difficile pour toi de pleurer parce que tu dis à un homme... ne dois pas pleurer, mais dans les conditions où tu es à l'heure actuelle, sache que j'ai vu tes larmes.
Aucune larme n'est tombée à terre sans que moi je l'ai pris. Je t'aime, dit le Seigneur. Aie confiance en moi. Et le Seigneur parle aussi à une personne, tu as fait une prise de sang. Et cette prise de sang, elle est négative. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Le Seigneur te dit, lève les yeux vers moi. Et tu verras si je ne suis pas celui qui guérit encore aujourd'hui et qui pose sa main sur toi. Je suis ton Dieu, je n'ai pas changé et je t'aime, dit le Seigneur. Jésus nous parle et nous dit, ma famille, mes enfants, ouvrez la bouche. Vous avez peur de témoigner, vous avez peur de reconnaître ce que vous êtes. Et cela vous vole toute la bénédiction et toutes les choses merveilleuses que je vous ai promis, que vous serez ma lumière dans ce monde. Mes enfants, ouvrez la bouche, témoignez, dites ce que moi je veux et je fais et je vous ai déjà fait, afin qu'ainsi mon nom de Jésus soit le nom qui est publié, qui est vraiment reconnu parmi, dans ce monde de ténèbres, parmi vous. Je vous ai choisi, je vous ai envoyé. Ouvrez la bouche, dit le Seigneur notre roi. Amen. Levons-nous encore un instant et célébrons le roi des rois. N'ayons pas honte de lui, au contraire. Parlons de lui là où nous sommes. Rayonnons sa présence. Mathieu. Non, nous ne sommes pas fous. Nous ne sommes pas ivres. Nous sommes juste dans la joie, une joie profonde, nos cœurs elle inonde. Cette joie, elle vient du ciel. Cette joie nous vient du ciel. La joie de l'Éternel, la joie de l'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Source de vie et d'espérance. La joie de l'Éternel est ma force. Elle me rassure, elle me console. La joie de l'Éternel est ma force. Elle est ma paix et mon réconfort. Non, nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas ivres. Nous sommes juste dans la joie. Et vibrer, crier, et elle me donne envie.
c'est